presented by Kate. Salut, c'est Sundard et bienvenue sur une vidéo de Esp Galuda sortie en 2003, un jeu conçu par Cave. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit shmup, donc voici Esp Galuda que je connais un petit peu quand même. J'ai joué il y a très longtemps. Je vais tenter de vous expliquer comment on y joue. Donc je dirige une petite fille qui vole, voilà. On peut switcher entre deux types de tirs, donc là on a le tir bleu, là le tir rose qui permet de ralentir les tirs ennemis. Mais pour ralentir les tirs ennemis, eh bien, je dois récupérer ce que vous voyez là, les espèces de diamants, là, les émeraudes. Alors si je maintiens le tir, ça fait ça, et si je fais des petits coups comme ça, ça tire, enfin, voilà, ça tire un peu plus loin. Enfin, ça va être très difficile de vous expliquer les shmups, surtout que je connais pas les termes techniques des joueurs pro. Enfin bon voilà, lorsque je tue un ennemi, par exemple quand je suis en rose comme ceci, les diamants verts se changent en diamant blanc, ce qui me permet de faire une smart bomb, je crois. Voilà, comme ça. Du coup ça utilise des diamants blancs. Attention, là j'ai plus de diamants. Wow, je suis passé vraiment au milieu. J'ai plus de diamants verts, donc du coup je peux plus ralentir les tiers ennemis. Enfin voilà, vous avez compris, maintenant je joue. Je suis toujours en live. Je me concentre, j'essaie de faire une partie pas trop pourrie. Donc là, je ralentis, si j'ai bien fait. Du coup, je ramasse des diamants blancs, ce qui me permet d'avoir une smart bomb plus puissante. Oh yeah. Oh putain, d'accord, là j'ai pas eu le temps de tous les avoir, je voulais faire un perfect. Bon alors là, premier boss, on n'hésite pas, on ralentit. Pas trop quand même, merde, pas trop quand même j'ai dit. Ah, j'aurais dû l'utiliser là, quel con, quel débile. Voilà, je le détruis, je récupère tous les diamants blancs. Du coup, je fais la smart bomb. Non, ne pas se mettre en dessous de ce truc. On s'en doute bien. Ah, attention, attention. Oh, tout juste. Sauvé par le gong, j'ai perdu une vie. C'est pitoyable. Voilà, stage 1 clear. Et maintenant voici The Town of Canyon. Deuxième niveau. Bon, le premier c'était un petit niveau d'entraînement. Maintenant ça commence vraiment. Il va y avoir des boulettes de partout. Allez, petit power up, petit power up. Oh là là, j'ai eu de la chance, Merci le masque de collision ultra réduit. Ah, attention, on prend pas de risque, on fonce, on ralentit, c'est bon. Ok. Putain. Alors là c'est juste la mid-boss. Allez, une petite smart bomb dans ta gueule, voilà. Ah, j'aurais dû switch. J'aurais dit switch juste au moment où le boss explosait. J'ai pas surveillé la barre de vie.
Voilà, je peux aussi récupérer des diamants comme ça. Mais pas trop, pas trop. Je préfère garder le slow, en fait. Voilà, allez, hop, hop, hop. Oh, la pluie de boulettes. Oh, la pluie de boulettes dans ma gueule. La grosse boulette dans ma gueule. Je profite de ça, voilà. Hop, vite, vite, je vais récupérer. Non! Là, sur le chat, tout le monde s'est endormi. Il n'y a plus personne qui parle. Ah là là, ah là là. Et voici le boss. Un gros cuirassé, attention. Wow, 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 wow. La smart bomb m'a sauvé, la smart bomb m'a sauvé. Et c'est là que t'as envie de te gratter le nez, tu vois. Y'a pas de pause, eh merde. Mais quand je suis mort, débile. Allez, premier continu. Faut absolument que je récupère mon MP, là. Waouh, 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 waouh. Bien joué la vague. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Ça non plus. Voilà, je passe au milieu. Aïe, 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 faut que je ralentisse, là. Faut que je ralentisse, faut que je ralentisse. Oh, putain. J'ai fait la smart bomb pour me protéger. Oh, putain, la smart bomb. Voilà, je passe à travers tout grâce à la smart bomb. Il m'en reste plus, il m'en reste plus. Voilà, je n'ai plus de diamant blanc, donc je vais plus pouvoir le faire. Pfff. Allez, je te détruis. T'es bientôt mort, et voilà. Il y a déjà un crédit d'utiliser. Je fais pas assez cette attaque là. Voilà, je dois faire cette attaque là pour tirer plus loin. Là c'est le tir concentré. Merde. Je suis pas concentré sur les boulettes. Faut être concentré sur tout. Wow, attention. On s'éloigne de la boule, on s'éloigne de la boule. Voilà, comme ça on balaye plus. Là on concentre son tir. Là aussi. Allez, on passe à travers tout avec la smart bomb, voilà. J'aurais dû faire ça pour me sauver. Putain, mais c'est... Ouais, voilà, il faut se concentrer vraiment, surtout. Je récupère un maximum de trucs, là. Wow! J'essaie de lire le chat en même temps, heureusement ils sont pas très bavards, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah 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 ah, oh oh oh. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, j'ai pas compris. Ah oh, mais non, là il y a des petites boules là. Des petites boules dissidentes qui sont pas dans le pattern, c'est pas bien ça. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, ça je déteste. Je déteste. Les attaques sur le côté, je déteste. Non, les attaques sur le côté, smart bomb, je m'en fous, je passe à travers tout. Très bien. Pfff. On survit, y'a aucun problème. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Euro. C'est quoi le signe euro là? Merde, merde, il est où? Je le veux, je sais pas ce que c'est, je le veux. Oh non, non, alors là, mais ridicule. La mort ridicule.
Et voilà, ça c'est bien joué. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a bien sûr le boss qui est hyper chaud dans ce niveau. Je crois que j'ai pas été plus loin. Enfin, si j'avais terminé à l'époque avec tous les crédits. Ah putain, quel con! Mais en un crédit, voilà, en un crédit, j'arrive jusque là, d'habitude. Putain. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme si t'allais passer à travers ça. Chance. Ah oh, mais non, je passe à travers, comme un con, comme un débile, je réfléchis pas. Ah, je l'ai utilisé trop tôt. Oh, je m'attendais pas à ça. M'attendais pas à ça du tout. Bien joué. Quand on relâche le slow. Là il balance son gros truc, non? Merde! Merde! Non, 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 pas sur les côtés, pas sur les côtés, je déteste sur les côtés, je déteste ça. Ça commence à être mon extrême limite en matière de shoot'em up. J'imagine que les touts sont pas faits pour moi. J'ai jamais fait un tout. J'entends Yamete. Oui, mais c'est possible. Waouh, 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 waouh. Attention à la transformation, à troisième. Waouh, waouh, wow, putain. Waouh, wow. Quoi? Oh, j'ai de la chance. J'ai mis vraiment le réflexe de la smart bomb. Oh, putain, c'est l'enfer, c'est l'enfer. J'ai l'impression qu'il y a un sample de d'Ikaruga. Wow, 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 là je te défonce, t'es pas encore mort, putain. Oui, mais bien sûr. Ouais, non, ouais, là t'exagères. Là t'exagères, jeu japonais. Tu vas te calmer tout de suite. Ah non! Je sais pas tout, j'ai jamais essayé en fait. Je sais pas quelle différence! Et merde, mais c'est impossible ce. Attends, mais c'est quoi ces patterns de fou? Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour qui là? Je suis en mode facile. Attends, je suis en mode normal plutôt. Il y a le mode insane. Et ce n'est que le troisième niveau. Je ne sais pas du tout combien il y a de niveaux. Bon, là, c'est détente. Voilà, là, on se détend. Oh, mais quoi? Ok. Je vais mourir en boucle. Je crois que ça sert plus à rien de continuer. Voilà, si c'est pour mettre des crédits toutes les deux secondes. Voilà, c'est ma limite. Deuxième stage, on va dire. Troisième stage. Ah, le truc, c'est qu'il faut switcher tout le temps, quoi. Ah, je vais jouer comme ça. On va jouer en switchant toutes les deux secondes. Là par exemple je switch, là hop, voilà, là, je switch. Ah, boum.
Alors toi, qu'est-ce que tu vas me faire? Ça? Très bien. Aucun problème, smart bomb. Là par contre problème, putain. Le jeu me viole littéralement. Tu n'iras pas plus loin, jeune padawan. Il te faut t'entraîner. Mais bon voilà, je n'y avais pas joué depuis l'époque, hein. Je crois que j'ai encore de beaux restes. Là c'était trop pour moi, c'était trop pour moi. Là c'est trop pour moi, on se calme, on se calme. Voilà. Hop là là. J'y croyais, dur comme fer, et non. Là, hop. On récupère les pots. Merde, j'en ai 21. Combien il y a de niveaux à ce jeu, Espgaluda? Si quelqu'un peut check. Parce que si c'est le dernier niveau, je vais jusqu'au bout. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on switchait tout le temps. Voilà. Donc c'est une bonne méthode de switcher tout le temps. Il y a un petit... Il y a comme une espèce de petit ralentissement qui dure quelques secondes. Et ça te permet de te replacer. Je sais pas si c'est une technique de pro, mais ça marche. Espgaluda. Voilà. Espgaluda. Allez. Allez. Le boss. Déjà le boss. Le niveau était super court. Alors. Pour l'instant, ça va. Non, ça va plus. Smart bomb. Ah non, non, pas sur les côtés, pas sur les côtés. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce pattern? Waouh! Non! Non! Mais non, c'est un truc de fou! Comment je... Putain, j'arrête pas de switch et ça passe. Oh non, pas sur les côtés. Non, non, je me mets là au milieu, voilà. Là, ah! En plein dedans. Bien joué. Il y a 5 niveaux. Ah ben, on va aller jusqu'au bout. Même si on met 200 crédits. Mais bon, je suis vraiment pas un pro, je suis un amateur. Mais j'adore jouer à ce genre de jeu. Ça défoule. C'est hypnotique. Ah ! Putain. Oh putain. Oh là, ce pattern de fou. Ah oh mais non, mais non, mais débile. C'est comme jouer à Flappy Bird. J'ai l'impression de perdre, mais vraiment bêtement, mais à chaque fois. Oh là là, je peux pas perdre. Là je peux perdre. Là je peux perdre. Putain. Bon, maintenant, la technique du switch. Oui, oui, ça passe avec le switch. Ça passe très bien. Mais attention quand même. Waouh, waouh, putain. Oh non, 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 c'est chaud quand même. C'est chaud. Allez, hop. Il est bientôt mort de toute façon, voilà, on s'en débarrasse vite fait, smart bomb, il est mort. Le château flottant. Eh bien, dernier niveau donc, de Espgaluda.
Ah, mais non. C'était évitable. C'était complètement évitable. Oh putain. Oh là là, mais là c'est que de la chance. Là c'est que de la chance. C'est que de la chance. Là c'est de la malchance parce que je pouvais l'éviter. Voilà, je fais une smart bomb pour passer à travers tout. Mais comment tu veux? Comment tu veux passer à travers ça sans smart bomb? Oh là là, 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 les patterns de péter, les patterns de péter! Tout est normal, tout va bien. Oh, putain, j'avais trouvé la parade. Ah, pour te remettre après, laisse tomber quoi. Ce jeu, tu dois le faire d'une traite, sinon ça passe pas. Oui, il y a du sang. On arrive dans un château. Qu'est-ce qui se passe? Voici le boss final. Bon, alors là, les patterns. Hein, si vous connaissez pas les patterns de Kev pour leur boss final, vous allez comprendre. La douleur. Je ne sais pas si Damdam a fait ce jeu-là. Il faudrait que j'aille vérifier. Choper des astuces. Ah là là là, mais non, non mais non, mais non, pourquoi j'ai pas continué? Bon, par contre, je veux tout de suite le MP. Voilà, on va se mettre ici. Pfff. Oui, mais oui, bien sûr. Bon, ça sert à rien, je le touche pas là. Ça commence un peu à piquer les yeux. Oh là là, mais c'est quoi cette pluie de balles? Ah là, c'est vraiment la pluie de boulettes. Ah là, c'est des petits grains de riz, tout pourri. Allez. Oh non, non, mais non, mais inévitable. Bah, tout est une question de placement. Ah non, mais non, 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 smart bomb. Là, ça va trop vite, ça va trop vite. Vite, on switch. Ah, putain. De toute façon, tu vas crever bientôt, saloperie! Et voilà! C'est pas fini? Putain, je pensais que c'était une cinématique. Genre, voilà, la paix est revenue sur le royaume, toutes les filles vous remercient. Oh, du calme, du calme. Donc du coup, c'est pas fini. Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce niveau de fou là? Pff, non, les petits tirs comme ça, tu les vois à peine. Tu les vois à peine. Comment je passe? Comment je passe? Comme ça, on passe, on passe, on passe. Allez, hop. Wow, c'est passé, c'est passé.
putain. Ce niveau de fou, je switch. Je ralentis, j'en ai marre. Oh non. Oh non. Allez. Oh putain. C'est horrible, c'est ces tirs là. Ok, mais j'y arrive. Je veux ça. D'accord, c'est 10 000 points. Très bien. Bon, ok, donc c'était 5 niveaux et un boss, quoi. Bon, là, je vais mourir en boucle. Hein. Combien de crédits je vais utiliser sur ce boss? Faites les paris. Attention. Moi, je dis 5 crédits, je le passe. Très bien. Un crédit. Oh là, Oula, qui êtes-vous? Trop facile. J'ai l'habitude. Hop, non, oh, merci les ralentissements, smart bombe. Pfff, c'est passé complètement au milieu. Oh, oh. Trop facile. En un crédit, quoi, en deux crédits. Oula. Et voici le Trouless Boss. Bon, là, on va dire... Allez, là, je dis 10 crédits. D'accord, là, c'est le vrai boss. Là, on rigole plus. On rigole plus, Smart Bomb. Ah, mais non. Mais pourquoi je me suis pas mis au milieu? Mais quel con. Là, c'est une erreur débile. Le meilleur exemple de l'erreur débile, quoi. Voilà. J'ai une partie. Non, mais c'est... Mais comment j'ai pu perdre? J'allais dire, c'est quoi ce pattern pourri? Et il m'a eu. Oh non. Oh mais non, mais pourquoi? Comment c'est ce que je perds avec ces petits tirs de merde? Bon, ça par contre j'aime pas. Ok, pas de problème. Non mais non. Aïe, ça pue, oh putain, la petite boulette de merde, voilà, aucun problème, je vais faire voir par le petit tir perdu. Ah non, mais si on me tire par derrière, ça j'aime pas, hein. Ah, c'est smart bomb contre ceux-là, celle-là, voilà. Ah mais attends, mais la barre de vie là. D'accord, là c'est le vrai boss. Le fric que vous mettez dans cette machine. Qui a fini ce jeu en arcade? Je crois qu'il est sorti sur PlayStation 2. Faudrait que je vérifie.
Mais meurs, même crève. Oh non, 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 les allers-retours, les allers-retours. Ça, c'est le pire cauchemar dans un shoot'em up. Allez, allez. On tient bon. Oh putain. Ah non, mais ça, je peux pas. Là, mon cerveau, il peut pas. Là, il me dit non, non, je veux plus, je m'en vais. Je me casse. Au revoir. Ah non, les trucs allers-retours. Ça te pompe les crédits. Oh, laisse tomber. T'imagines, t'arrives jusque là et tu as ça, quoi. Oh là 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 là. J'ai l'impression de jouer à Flappy Bird. Allez, on reprend le MP. On bourre de crédit, on utilise la smart bomb quand même. Moi, je l'ai pas fait auparavant. Voilà comment on perd une smart bomb pour rien. Oula, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui... Oui. Non. Je reste au milieu, je ne bouge pas. Ah! Oh là là, ce viol mental! Mais quoi? Mais. Mais comment tu veux? Comment tu fais? Bien sûr. En plus, il y a des tirs. Donc, je dois passer. D'accord, je dois passer au milieu. Très bien. Donc, je dois avancer. Oh, je dois avancer avec le truc. C'est pas un jeu pour les humains, quoi. Oh là là, mais t'es sérieux. C'est trop dur ce jeu. Ce boss me défonce. C'est même pas encore sa forme finale en plus. Alors j'essaye de passer entre les petites boulettes, je profite du ralentissement. J'essaye, hein, j'essaye de perdre le moins possible. Mais en fait, ce jeu, c'est comment devenir pauvre. C'est tout à fait ça. Allez, allez. Ah, mais non. Bon, allez, là, ça ressemble plus à rien. Je le défonce comme ça, la smart bomb. Mais attends, il se protège. Il perd rien du tout. Ah, on peut pas ralentir. Lorsqu'on ralentit, il se protège. Oh putain, mais t'es sérieux? Mais c'est trop chaud. Là, ça ressemble plus à rien. Voilà, là, on n'avance plus. La barre de vie ne baisse plus. On sait pas ce que... On sait pas. Là, je lui donne tout ce que j'ai. Smart bomb, je switch. Mais attends, faut faire quoi là? Faut faire quoi? Déjà, faut que tu comprennes comment le tuer. What? J'ai fait quoi là? C'est quoi? Mais quoi? Il a récupéré toute sa vie? Je comprends plus. La barre de vie remonte quand il y a la sphère activée. Ouais, mais... Je peux pas péter ses tourelles. Non. Bon, bah là, j'ai perdu plus de 10 crédits. Hein. Mais non, mais ça sert à rien, ça. Je vais essayer ça. J'ignorais complètement que je pouvais utiliser depuis le début du jeu. Comme un débile. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Aidez-moi! Au secours! Sortez-moi de là! D'accord, peut-être qu'il faut attendre. Faut pas tirer dessus.
faut rien faire. Du coup, le cube va fondre, c'est ça? Quoi? Mais j'ai rien fait. J'ai pas tiré dessus. J'étais trop lent pour le tuer, c'est ça? Il y avait un timer? Non. Du coup, bad ending. J'imagine. Ouais, c'est peut-être ça, il y avait un timer, mais je crois pas. Hein. Enfin, j'ai pas vu. En même temps, ça serait plus logique. Donc j'ai dépensé 20 crédits, bah oui, voilà. Comme je l'avais dit. Eh bien, ainsi s'achève notre aventure voilà le nom imprononçable, Esbgaluda, conçu par Kev, sorti en 2003. Je crois qu'il est aussi sorti sur PlayStation 2 ou Xbox, je sais plus, à vérifier. Enfin voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao !